Qu'est-ce que vous voulez? On a quelque chose à vous demander. Quelque chose à me demander? C'est-à-dire? Nous voudrions seulement un peu d'eau. Mais que voulez-vous à la fin? De l'eau, on veut de l'eau. Seulement de l'eau? Oui. Désolé de dire ça, mais c'est impossible de vous ouvrir. Mais pourquoi? S'il vous plaît, nos enfants ils meurent de soif. Si je commence à vous donner de l'eau, faut aussi que j'en donne aux autres. Mais on est complètement déshydratés. Machine, t'as checké les filtres? Ouais, je viens de le faire. Par contre, il n'y a plus beaucoup de réserves d'eau. On peut pas filtrer de l'eau à partir de rien. Vladimir, vous avez rempli quand la réserve pour la dernière fois? 3 jours! On consomme de plus en plus. Un sentiment va pas tenir plus longtemps. Mais tu sais que c'est de plus en plus difficile d'aller chercher de l'eau dehors. Et dire qu'il y a toute cette mer qui n'attend qu'être filtrée. Oh, salut Axel, ça va? Non, ça va pas. Bah viens, viens. Entre Massine et Eric qui envoie Vladimir chercher de l'eau, entre nos réserves qui sont presque à sec, ça va durer jusqu'à quand cette histoire? Vladimir, il est parti tout seul? Ouais, en plus, il parle même pas notre langue. Il parle quelle langue? Il est russe. Et toi, tu fais quoi? Bah du coup, je faisais des recherches sur comment régler tout ça, parce qu'après, on a une réunion. Mmh. Et je sais à peu près comment ça a commencé. En gros, c'est à cause du permafrost. Attends, c'est quoi le permafrost du coup? C'est une sorte de sous-sol gelé. Il mesurait jusqu'à 1500 mètres. Et en gros, il y avait plein de méthane et de dioxyde de carbone dedans qui sont échappés quand il a fondu. Et c'est quoi le rapport avec Vladimir? Il y en avait un en Sibérie. Et il a fondu, il a fait énormément de dégâts entre les bâtiments qui se sont effondrés et les virus. Il y a eu peu de survivants, du coup c'est pour ça que j'ai pensé à lui. Ouais, je vois. Mais bon après, ce qui est fait, tu vois. Oui. Puis même les réfugiés d'extérieur qui ont accepté de nous servir, ils ont trouvé un lieu sûr ici. Et on leur donne déjà un taf, tu vois. Oui. C'est déjà ça. Après, qu'est-ce que je veux faire? Nous donner de l'eau un peu? Non! Mais ça va pas! Partage! Non mais. Non mais lâchez-moi là! Mais lâchez-moi! Donne ça! Mais non! Ma bouteille! Ça va, Massine? T'as pas l'air d'aller bien, là. Hein? Bah, je m'inquiète pour Vladimir. T'imagines, il lui arrive quelque chose dehors? Mais il lui arrivera rien du tout, hein? C'est ses potes dehors, hein? Ils vont pas le tuer. Ah, mais t'oublies que pour les réfugiés climatiques, c'est un traître. C'est comme s'il est l'un des nôtres depuis qu'il nous a suivis. Wow. Hé, toi, t'es mal placé pour défendre la veuve et l'orphelin, hein? Tu t'émouvais pas quand les esclaves y fabriquaient les terrains de foot au Qatar pour la Coupe du Monde? C'est vrai qu'en matière d'humanisme, tu connais rien, toi, de toute façon. De quoi tu parles, là? Bah, ta famille à la tête du charbon. T'as juste pas de conseils à me donner? Bon, vous avez fini de vous embrouiller, là? On a une réunion. Allez, on y va. Alors toi, Zélie, ça n'a pas l'air d'aller. Comment tu veux que ça aille, Stan? On a encore perdu un enfant aujourd'hui. C'est le troisième ce mois-ci. Ouais, je l'ai appris ce matin. Et alors? Attends. Toi, on dit qu'il y a un enfant qui est encore mort déshydraté, ta seule réaction c'est « et alors ?» Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est impuissant dans cette histoire. C'est pas vrai! Faut juste qu'on fasse quelque chose, donc ça peut plus durer. On dort à même le sol, on mange un bout de pain par jour. On va finir par mourir. Non, mais c'est très bien ce que tu me dis, hein, mais... Propose-moi un truc, vas-y. Je crois que j'ai une idée.
pas le choix. Il dit vraiment c'est la merde. Puis là franchement. Mais elle était pas là. Elle t'a rendu, elle était avec la voiture, elle n'avait pas le choix. Bon, la situation elle est critique. On n'a plus assez d'eau potable. Si vous avez des idées, proposez, parce que moi j'en ai aucune. On pourrait récupérer de l'eau de pluie sur la terrasse. Même si elle est acide, on serait plus obligé de sortir. Même il faudrait déjà qu'il pleuve. Moi je dis qu'on n'est pas assez nombreux pour aller chercher l'eau de mer. Ça nous demande beaucoup trop de temps et d'énergie. En plus c'est devenu dangereux de sortir maintenant. On n'est pas assez nombreux. Bah voilà. On pourrait servir des réfugiés ailleurs. Parce que là, il y en a beaucoup qui sont capacités de travailler pour nous. Hein. Attendez, on devrait pas les aider plutôt? Enfin, leur donner de l'eau, avant qu'ils reprennent le boulot. Et en quoi ça va régler notre problématique? Je vais répéter pour que tu comprennes. Trouver de l'eau pour ne pas crever. Et toi, tu proposes de leur en donner. Bah en soi, c'est une bonne idée. En soi, c'est pas une si mauvaise idée. Bah vas-y, argument, puisque Jean Timassining en est incapable. Bah, si on donne de l'eau aux réfugiés extérieurs, ils seront bien plus disposés à travailler pour nous. Non mais attendez, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas si bête. Et puis quand on les laisse rentrer chez nous? C'est quoi cette merde là? Ils ont soif. De l'eau! Mec, 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 il revient. Il est mort. Assassin! 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 Vladimir, Vladimir! Il faut qu'on se tire. Ils sont en train de tuer les gens. Mais qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Les pecnos en bas? On en a rien à foutre. Ces pecnos, comme tu dis, ils crèvent déjà de soif. T'avais pas besoin d'en tuer un. Bah, au moins, j'ai abrégé ses souffrances. On parle d'un meurtre, là, quand même. Un meurtre? Tout de suite, les grands mots. Est-ce qu'il avait vraiment une putain de vie en bas, là? Mais il vit comme toi, comme moi. Il est juste pané du beau côté de la planète. Bah, tu sais ce que je vais dire. C'est faute, t'as pas de chance. Mais écoute-toi parler, Eric! Et vous, ça vous choque pas? J'ai l'impression d'être le seul à avoir un cœur ici. Mais si je vous donne, moi je suis mort. Non, je suis mort. Il y a personne autour de toi, tu seras pas vu. Un peu après, vous partez. Merci. Faites vite. Je suis désolé. Thank you.
Bon. Je vais pas vous mentir. La situation, elle est critique. Faut qu'on réagisse. Et vite. Faut fermer les portes. On n'a pas le choix. On est trop nombreux dans le centre. Elle a raison. Attendez, vous êtes sérieux là ? On peut pas faire ça. Écoute Stan, c'est eux ou nous, hein. Ça me dérange tout autant que toi. Arrête de te faire passer pour une sainte, Zélie. T'en as rien à foutre de leur sort à eux dehors. Parce que toi maintenant t'as ton petit confort, de quoi survivre. Alors arrête de nous faire croire que tu te fais du souci pour eux. Mais calme-toi, Effie, hein. Ça sert à rien de nous disputer. Après, si tu veux les rejoindre, vas-y, hein. On t'empêche pas. Mais bon, décide-toi, hein. Et vite. Vous êtes du même avis qu'elle. Bande d'égoïste. C'était pas ce qu'on s'était promis quand on était tous dehors. Sauf que dehors, bah, on n'y est plus, hein. Tout a changé. C'est quoi ça encore ?